tinangai balobela ngai bona yo Molie, o vanisi na kita bakolo. Eza pasi, Jésus, bona tika yo. Na fami oyo, babonga kate, babelela Yesu, babonga. Eza pasi, Jésus, bona tika yo. Na fami oyo, babota kate, babelela Yesu. C'est donc Grosse Quête qui commence en ces dimanches. Je vous dis merci, merci beaucoup de la fidélité que vous ne cessez de manifester à cette chaîne de télévision. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir choisi KIN24 pour suivre cette émission Grosse Quête en ces dimanches. En tout cas, merci à tous nos amis qui sont branchés. Je vois Toms Mbiavanga qui est avec nous. Merci à notre ami Don Kabamba qui est avec nous. Merci encore une fois de plus à Fontaine Kumbi qui nous sert en ces dimanches. Alain Mavuidi à Mazelonda, il est avec nous en tout cas en ces dimanches. Merci à toi, merci à Gesnondo Tony Mbinga Mobali, Mobali Mbinga, il est avec nous encore en ces dimanches. Espoir Bukaka nous tient les sons et encore une fois de plus, j'ai dit merci beaucoup à Gerlin Kanga, Nova Sankolo, Eric Nembalemba, Olivier Chinois, sans oublier Aristote Mputu, lui également, en tout cas, et de notre Aristote Chimanga, à bon boulot de là où tu es. En tout cas, merci. Et la supervision, vous le savez, c'est Kadriste Kadiebwe Moulouba, Montréal, celui qui nous conduit demain de mettre en ces dimanches. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette émission. Elle est avec nous en ces dimanches. Céline, bonjour et bienvenue dans cette émission. Ça va? Ça va très bien. C'est un honneur, c'est un plaisir de t'avoir dans ces studios pour parler. En fait, je vous annonce que Céline Banda, c'est une Congolaise qui a raflé le prix de la découverte RFI. C'était en 2017. 2019, oui. C'est à cette occasion-là qui a fait que Céline, aujourd'hui, est en train de tourner à travers le monde parce que RFI, vous le savez, la plus grande radio, et aujourd'hui qui, en tout cas, est en train de pousser sur les jeunes talents. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'avoir les nôtres parmi tous ces talents au RFI et Propulsa Aza, pratiquement la seule Congolaise, Oyo, Abimi Nakatianze, Lawana. Céline Banza, ça va? En tout cas, sinon, dites-nous, Céline a commencé la musique où pour qu'elle se retrouve aujourd'hui comme ça? Comme tout musicien, on a grandi depuis bon moment. Chanté à l'école, maternelle, primaire, nous avons déjà la chorale. Et après, je suis allée à l'est du pays, à Kisangani. Oui. Et après la mort de mon père. Donc, je suis allée là-bas avec la guitare que mon père m'avait offerte quand j'étais vraiment toute petite. Étant à la Konikuna, j'étudiais. Mais la musique était toujours là, ouais. Vu les réalités, mais c'est vraiment les réalités que j'ai rencontrées là-bas qui m'ont poussé à aller vers la musique en ouais. plus. Donc je puisais ma force dans la musique, quand j'étais triste, c'était la musique, quand j'étais ouais. voilà, entourée des personnes qui me prenaient pour leur soeur, pour leur fille, pour leur petite soeur, c'était toujours autour de la musique. Ouais, ouais. C'est comme ça que, avant de retourner à Kinshasa, j'avais dit c'est la musique ou rien. Donc je retourne à Kinshasa, c'était ouais. en 2014, ouais. je m'inscris à l'INA et c'est comme ça que tout a débuté. Alina, tu es allée faire quoi exactement? Alina, je suis allée faire la guitare. Hein? J'ai commencé la guitare, j'ai fait la guitare pendant 2 ans, ouais. préparatoire, première, mais quand il fallait choisir une de prédilection, c'est ta voix ou c'est ta guitare? C'est les deux. Les deux combinés à la fois. Ouais, les deux combinés à la fois. Ils en ont mon côté au lingaramaka sur le bac et yango. Lingaramaka c'est sa guitare. Hein. Et on a yoko lango chaque jour. Ah oui, yoko lango chaque jour. Chaque jour, j'apprends toujours. Ouais. Et dans ta voix? Naturellement, je ne fais pas d'efforts. Je suis vraiment une chanteuse très paresseuse parce que je ne fais pas d'efforts pour ma voix. Ça n'a ni grand exercice.
régime moroté pour pas casser ma voix, donc bref. Je suis vraiment paresseuse de ce côté-là, je fais rien pour garder ma voix. Naturellement, je chante. J'étais entendu à travers ton point de presse, tu disais que ton papa t'est poussé à aller faire la musique. Mm. C'est une rareté, ça. C'est quelque chose qui n'arrive pas trop souvent. Mm. Papa, moi, on en a eu à moi, c'est le baguette. Yo, kendo, kendo, yimba. Celle-là, il doit chanter. Mon père, il était très fan de la musique. Nakoli nanda kutokoli na musique à Koffi Olomide que je salue. Mm. Et voilà, papa d'amour qui n'attend moi c'est Koffi. Et nous tous on doit danser avec lui, on doit chanter avec lui. Okay. Et quand il me voyait chanter moi à l'école, la chambre, quand il y avait des théâtres pour enfants, ouais. Mon rôle c'était toujours de chanter. Ouais. Et ça l'intéressait beaucoup. Moi aussi ça m'intéressait. C'est comme ça qu'en grandissant j'ai découvert que j'aimais beaucoup chanter. Je n'avais pas la plus belle voix, et je n'ai même pas la plus belle voix, mais j'aime chanter naturellement. C'est comme ça que mon père il me poussait genre pour l'anniversaire, nana, par exemple. Je dis, papa, je veux ça comme cadeau. Il me dit non, oui je te donnerai ce cadeau, mais si tu composes une chanson qui me plaît. Okay. Et avant, je composais des chansons vraiment religieuses et tout. Je compose, il écoute, il dit, ouais, c'est bien, il me donne un cadeau. Il me poussait comme ça. Et il disait, aux 6e primaire et tout, tu vas directement aller étudier dans une école de musique et ce sera moi-même ton producteur. Alors, d'ailleurs, dans mes mots par Koffi, tout ça. Donc, mon père, il était vraiment mes fans de la musique. Okay. C'est comme ça qu'il m'avait apporté. Il était en Europe et tout, à Oumélie, quand papa qui est poto, surtout car là, on attend les vêtements, tous et la bilamba. Mais quand il est rentré, tout le monde avait des cadeaux, sauf moi. Wow. J'étais vraiment fâchée, j'ai dit, mais comment? Or, ils allaient quitter un oiseau, tiens, bilo, qu'on allait dans l'avion, cette guitare, ils allaient qui sous la plasté. Okay. Alors, à Tiki Ango, ça a dû suivre après. Et j'étais vraiment fâchée contre mon père, Nandaro Lobby, ça a été pendant ces jours, je lui ai dit, mais comment c'est possible? Et il ne me disait même pas qu'il y avait une guitare qui allait arriver. Ouais, donc, ouais. Un jour, un homme qui n'attend pas, comme d'hab, dans aucun de nos ambos, on a un transport pendant qu'il y a l'école, je vois une petite guitare à côté, là-bas, à côté de son lit. Et tout. J'ai dit, sans lui demander, sans le réveiller, j'ai couru vers la guitare, je l'ai pris et je suis allée avec à l'école. Et quand il est rentré, même, c'est le soir, il me dit, mais toi, tu es vraiment ingrate. T'as vu cette guitare au Tiki, au Kebongo, à ta mère, cité et tout. Donc, c'était la surprise. Cet instrument de prédilection, tu l'as à côté de toi, parce qu'au Zarazarana, au Mingi Mingi, je voulais qu'on donne quand même l'occasion à tous ceux qui te suivent. Mm. Et je vous assure qu'elle, modestement, elle dit qu'elle n'a pas une belle voix, mais elle est très mélancolique, je vous assure. En tout cas, gardez votre souffle et puis, on a quand même le temps de t'écouter. Ouais. Céline Bonza. Le temps qu'elle est en train de préparer sa guitare. Ok, allez, on y va. On y va. Qu'est-ce que tu disais dans tes lettres et tes messages, que si jamais je pars, tu n'as plus d'histoire. Si jamais je pars, t'as plus de vie. Qu'est-ce que t'as fait de nos photos, nos chansons, ma musique et moi-même? Ma bandonanga, Yozala toujours présent. Mon cœur coule de sang. Dans mes rêves, je te vois. Inanda memo
Là, c'est le titre Namileli. C'est vrai que les gens aiment beaucoup ta voix, apprécient ta voix. Tu nous donnes un exercice assez difficile. Parce que beaucoup plus tu chantes dans ton patois. Pourquoi avoir choisi ces modes-là? C'est vrai que des fois, c'est embarrassant. On te dit, mais pourquoi tu chantes dans ton patois? Mais de toi-même, qu'est-ce que tu t'es dit? Je ne sais pas, je laisse les gens découvrir et penser ce qu'ils peuvent penser. Parce que moi, cette langue-là, elle est venue vers moi, je ne l'ai pas choisie. Oui. Je ne l'ai pas choisie, elle est venue vers moi et au moment qu'il fallait. Ok. Donc j'étais en train de terminer mes études, j'ai terminé en ethnomusicologie, donc je devais travailler sur les musiques de mon peuple et d'ailleurs. Oui. Alors moi, je suis congolaise, j'ai choisi de travailler sur la musique de chez moi et de ma tribu. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les langues africaines, les langues congolaises. Elles sont belles, surtout à travers la chanson. Et je m'étais dit, nazo ça l'album nanga, pourquoi pas traduire mes chansons nangwandi. Et ça m'a permis, moi, d'apprendre cette langue-là et d'aimer. Donc je me suis dit, naturellement, on va produire mon album, alors ce sera sur les plateformes, les gens ils vont écouter. Ouais. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui aux ana maison la belle Moué à Mounene au Batubaebi Lelo Bomae musique, c'est ce label là qui t'accompagne? Oui, c'est ce label là qui m'accompagne depuis 2 ans et demi déjà. 2 ans et demi. Ouais. Avec eux, vous avez un projet et c'est limité en nombre d'albums, en nombre de productions? Ouais, j'ai 2 albums avec vous. 2 albums. Ouais. Prae Facio. Et le tout premier album qu'on a sorti en janvier dernier. Ah, ok. Ouais. Et Praifa, c'est déjà disponible? Déjà disponible depuis janvier. Depuis janvier. Ouais. Ah, ok. C'est toujours les labels Bomae Music. Toujours. Ouais. En tout cas, Bomae Music. Bazan, la chance aux artistes à Bouye. Merci. Ndenge yo posa na chance aux Bomae Music. La chance aux Abango. Moi, aux Abango. Vraiment. Maria Joana et Salama Ndengeni. Et Salama qui. Tango Nazara qui n'a compétition et RFI, c'était la période des votes. Alors, proposa Kingaï d'un institut français, Al, ils étaient vraiment, ils étaient là à mes débuts, ils m'ont toujours soutenu. Ouais. Alors, mon équipe, il y a African Forum, dont Christian Despira, au hasard manager d'Angal Yelo. Christian, que je salue quand même. Ouais. Mon acquis est pour dire non, on a une artiste, Céline, là, elle a besoin des votes et tout, et elle a besoin de se faire découvrir la public, au Bakoyawana, pour que voter pour Naye, ce qui c'est plus de la musique Naye et tout. Alors, c'est comme ça que j'étais programmée, là, ça, la première partie à Youssoufa. Et avant, il y a eu une soirée un peu privée, il y a pas partenaire, il y a pas producteur, il y a l'abeille Afrique et tout, qui était là pour le forum. Il y a juste la guitare, comme ça, on a chanté 2 ou 3 chansons. Et j'ai chanté les 2 chansons, tant on a Kitty, je vois Philo, mon producteur, qui monte sur scène et qui dit, mais c'est qui cet artiste? Je la veux dans mon label et tout. Nana Lobby, bon, mais ça, car ambiance, il y a soirée, ça va lui passer, c'est pas sérieux du tout. Et voilà. Puis après, le lendemain, Philo, il m'a cherché, il m'a dit, mais je te veux vraiment dans mon label. Et moi, je n'avais pas encore la tête à ça, vu que j'étais dans une compétition. Que je sache vraiment dans quoi je veux être et que j'ai les résultats de cette compétition et tout. Mais il m'a dit, peu importe les résultats, que tu sois lauréate ou pas, moi je te veux. Okay. Et après qu'on ait remporté le prix, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, qui voulaient vraiment travailler avec moi, mais... Philo, il était le premier et naturellement, je l'ai écouté. J'ai dit, à un moment, il faut prendre le risque. J'ai besoin d'une équipe parce qu'il fallait vraiment rapidement constituer une équipe et partir et tout. Donc, Bomae était là, alors j'ai dit oui. Tu sais que tu donnes de l'émotion beaucoup plus quand tu chantes à travers ta voix. On peut savoir ton émotion. Mais j'ai trouvé en toi, tu es encore beaucoup plus émotive que Zopé Sabatou.
J'ai le dit en connaissance des causes, j'étais vu sur les planches de The Voice. Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, et ça, c'est une histoire vraiment particulière. Hein. Vraiment particulière. Et puis après que Mbappé Sayo, vote, tu t'es écroulé par terre. Ouais, mais ça, c'était The Voice, Afrique francophone, oui. En 2017. 2017, ouais. C'était la deuxième édition. Ah. Ouais. La première édition, j'étais sélectionnée, on a tous une baguette et tout. Tokiné. À 3 jours, j'ai perdu mon passeport. Waouh! Je ne suis plus partie. Ah. Et à la deuxième édition, on m'a dit non, Céline, elle était déjà sélectionnée, donc elle vient. Elle ne fait plus les castings et tout. Ouais. Ah. Et j'arrive, j'avais du mal à choisir les chansons et tout. Bandimbo et Tikalaki, parce qu'il y a toute une liste de chansons pour la compétition. Donc tout est préparé et imposé. Et j'arrive sur place, au Komikunao, voilà les chansons qui restent. Je devais choisir et il n'y avait que cette chanson-là, Onazwaki, il y a Marvin Gaye, que je ne connaissais même pas avant. Et j'avais qu'une seule journée pour la retenir, pour la maîtriser. Oh, oui. Et j'avoue, arrivé sur scène pendant la répétition, je n'ai même pas fait la répétition tellement Onazwaki n'a panique, n'a stress. Mais je ne maîtrise pas cette chanson. Et que Simbate, n'a pas zoate, j'avais beaucoup. Et j'étais seule là-bas. Oh, oui. Mais il s'est fait que Naïe, dans l'audition à l'aveugle, j'ai fait comme j'avais pu à Salfo, que je salue. Ouais. Il s'est retourné, il m'a pris dans son équipe. Et après, au battle, j'étais éliminée. Ok. J'étais éliminée. Mais pourquoi je dis que c'était une belle expérience? Parce que j'ai gardé les mots qu'Asalfo m'a dit. C'est vraiment une belle personne, ce monsieur. Parce que jusque-là, il est avec moi et il est peut-être fier de la personne que je suis. C'est pour ça que là, il a vraiment voulu que je retourne là dans son festival. Ouais. Dernièrement, on y était pour dire que mais vraiment, je suis très contente que tu sois ce que tu es aujourd'hui parce que tu n'as pas baissé les bras. Bien sûr. Pour moi, à l'époque, le fait que Nazaki éliminé Kuna, Isaki échec. Monégonde Sukiwana. Sukiwana. Oh, il y avait des bonnes choses qui arrivaient. Même quand je suis rentrée à l'université, mes profs et tout le monde ne m'a pas soutenue. Ok. Au Tiki Class, au Tiki Compétition, au UPT, au Yepen Aprité, tout ça, tu vas reprendre l'année. J'ai repris l'année à cause de ça. Ok. Injustement et tout. C'était vraiment pas une belle expérience dans le moment où on a. Mais après, je me suis dit, il n'y a que moi qui décide, en fait. Il n'y a que moi qui décide. Ceux qui n'ont pas sa bateau, on a raison. Ou ceux qui, en même temps, n'ont pas été étudiantes, n'ont aussi sa classe. Ils n'ont pas réussi dans la musique, n'ont pas joué jusqu'au bout. C'est comme ça que juste après, je me suis mise à composer mes chansons, à aller et tout. RFIA, j'ai postulé, j'étais la seule Congolaise au final, à la finale, et voilà, j'ai remporté ce prix, et je suis la première Congolaise et la seule qui a remporté ce prix-là. Aux Zangui des Voice Afrique, Mozina RFI. Exactement. Vraiment, Zamba calcul. Ouais. Et puis, celle qui est départ, quoi. Départ, Yangwana, départ cette chanson en featuring avec Youssoupha. Exactement. On peut l'écouter, c'est possible? Oui, ouais, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup et je crois que ce travail que vous nous proposez, les gens l'ont découvert et puis c'est par cette même occasion qu'aujourd'hui on parle de ces concerts du 11 décembre au Showbuzz. C'est vrai que Céline a fait les plateaux du côté de l'Europe, en Afrique un tout petit peu et ça sera pour la première fois un grand concert ici au Congo, un concert public. Oui. Au Showbuzz, les 11, c'est les 11 décembre. Ouais, c'est vraiment une première et j'ai vraiment hâte. Tu t'y prépares bien? Oui, ça va, on répète. Ouais. Avec le groupe Divo, ça se passe bien et ouais, puis... Ça se passe bien, c'est une première expérience. Oui. Hein, mais jusque-là, ça se passe bien, ça va. En tout cas, nous, on attend ces concerts et retenez la date, les 11 décembre au Showbuzz. Et Céline Bonza va présenter tout ce qu'il a, cet album qui vient de sortir il y a de cela quelques temps, Préfacio, qui contient beaucoup de titres. J'ai vu Mbi et Mossi, il y a Zingo, il y a Mbigwe, il y a Mbilo. On dirait mon nom, on a mis dans ma Mbimbi. Et c'est le gars, définir Ninko Lingolo Manini. Mbi veut dire moi, je.
Ok. Ouais, alors, comme dans l'album, je parle de moi, mais vraiment, ouais, c'est ouais. moi, c'est ouais, Céline. Ouais. Alors, il y a beaucoup de mbi, il y a beaucoup de jeux, quoi. Je suis là, à jamais je t'aimerai, papa. Ouais. Voilà, mbigwe, je pars, et tout. Voilà, c'est pourquoi ils osent là. Parce que non, mbi aime aussi moi-même. Mbi aime aussi baba, donc mbi aime, ça veut dire je t'aime. Ah, ok. Si baba, donc je dis à jamais je t'aimerai, papa. Non, ah, ok. Yo, kaka, papa. Ok, ok. Zingo. Zingo veut dire debout. Debout. Réveille-toi. Ok. Ouais. Et Mbigwe? Mbigwe veut dire je pars. Je pars. Mm. Ndemo gana départ, mo. Tiens, aussi qu'on a dit. Voilà. Bilo? Bilo veut dire je suis là. Je suis là. Mm. Ah, donc, toutes ces œuvres, ce sont des belles chansons que vous retrouvez à travers l'album Prae Facio, qui est également disponible sur les plateformes de téléchargement. Donc, vous pouvez vous en procurer, en faire bon usage. Et c'est une musique au Aristote Mputo Lobara. Tant que mon amour, car je suis là, je suis là, je suis là. Les gens, est-ce que moi, ils étaient au traduisakata banzemboana, à un système lyrique? Ça veut dire parce que en t'écoutant, on sent vraiment que tu sors quelque chose qui est en toi. Mais ce que l'ouezana katinayona bangou bazou ka kingwandité, ce qu'il y a une formule to chata ba clip lyrique et qu'on permette. Pourquoi pas, pourquoi ouais. pas, j'y ai pensé. Comme je le dis, hein, cet album tente aussi, c'est en haut. À tout prix, il fallait que ça sorte et que je passe à autre chose. Ouais. Parce que c'est vraiment le parcours de toute ma vie et tout. Ça date. Album. Oui. Alors je m'étais dit naturellement, sans calculer beaucoup de choses, j'ai donné ce que j'avais comme ça en brut, quoi. Okay. Et mais là, on a eu les retours, on sait que les gens, ils ont quand même envie de savoir ce que je dis. Oui. Alors ouais, pour le EP qui sort peut-être le mois prochain ou début janvier, on va essayer de traduire, de mettre la traduction de quelques chansons. Tu as un EP qui sort bientôt. Ouais, qui sort bientôt de 6 titres. Ok. Ouais. Vraiment. Et quoi, ça va bien? Bah, peut-être que tant que je suis là, je vais les inviter. Yes. Vraiment, en tout cas, bisous au CP Lanango, Makasi. Peut-être très bientôt, on va se dire au revoir. Mais Deo Kasongo, Atika Eli Loba, ceux qui ont été invités. Surtout dédicace spéciale à toi, Deo Kasongo, et à tous nos amis du côté de Divo, Bazotalabisali Makombo également. Merci à Christian Lepira. Ensuite, Terembi. Genza temo, oh, 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 terembi. Mélancolie, moi, Zalia. On doit s'en rendre encore. Est naturel. Et puis, ma grande voilà. Et puis, n'a compris que. On dirait que maman est sur les pavés. On dirait que maman est sur les pavés. Maman, on dirait que maman est sur les pavés. Ça m'a comme mieux, c'est tout beau. Ça te dit quelque chose, non? Oui, oui, oui. C'est cette vie-là ouais. que tu as vécu. Exactement. Des souffrances, des chagrins, ensemble. Non, on dirait que maman est sur les pavés. Exactement, exactement. C'est ma musique, mais vraiment, c'est. Jusque-là, je travaille sur moi-même. Jusque-là. Ok. Mon travail ne sort pas. C'est moi, c'est mon histoire, c'est mon vraiment. Quotidien, c'est ma vie. Tu as une référence dans la musique? Quelqu'un qui dit non, voilà, bon, lui. Oui, oui, il y en a beaucoup. Ouais. Beaucoup à l'étranger, comme ici. Je n'ai pas eu une seule référence parce que nous, on a la musique mieux, ça. Ok. J'écoute tout. Il y a Mélancolie, il y a Liboma, il y a Danse, il y a tout. J'écoute tout. Mais il y a mon réseau qui est au Bini, ça. Il y a un réseau qui est au Pinzoli, mais au Bini, ça vient si cool. J'aime musique Nyons. Je n'ai pas une seule référence. Ah. J'ai des gens, ma musique est belle, il y a un modèle Nyons et tout. En tout cas, nous allons profiter pour souhaiter un très bon dimanche à tous nos amis. Eric Chaco de Job Security nous suit, à qui je souhaite un très bon dimanche. Romain Mayele, merci beaucoup à toi. Yapichum Bakala également nous suit. Et Patrick Obaraka, les patrons des Rivonia, merci beaucoup à toi. Charles Chitenda, Moufini Kouadjobour, lui,
Nous annonce que très bientôt il sera du côté de Mbujimayi parce que bah, Mbujimayi, il faut bah, essayer bah, voir surtout bah, grands électeurs du côté il y a Mbujimayi, en tout cas Zoyawana, Vandisa, Masolo, Kunapo, hein, Lobby, Toyo Kape, gouverneur Charles Chitenda. Je crois que ça sera une très bonne chose. On va se dire au revoir, Céline, tout en nous retrouvant les 11 sur les planches de Chobeuse et Sikanini. Rosalawana Potobina, tout ce pays-là. Mais Nanga, il y a eu ce dernier message à travers cette émission. À toutes les personnes qui nous suivent, c'est Céline. On a un concert. C'est notre concert, alors je vous demande d'être là. Le 11 décembre, à Chobeuse, on va passer un super moment. Ouais. Alors retrouvons-nous ce samedi, 11 décembre, à Chobeuse. On va passer un super moment. Ouais. En tout cas, la salutation. Ouais, je salue Christian Lepira, Hervé Touma qui sont là avec moi. Je vois mon grand frère Paul Leperc. On se retrouve le 11. À toutes les personnes qui nous suivent, Déo, Chobeuse, voilà. On se retrouve là-bas. En tout cas, les 11 décembre au Chobeuse, maman Claudine Luyé, une occasion à ne pas rater. Jimmy Kabaya, l'expert comptable, merci d'être ensemble avec nous. Le baron Guy Menga, une invitation spéciale pour toi, en tout cas pour les 11. On va se dire au revoir, mais à travers sur les pavés. Et bien, Misabiso, quand même, pour Nalelo. Et ça, Misabiso, bien. Et puis, je vous assure, toutes ces chansons, vous les aurez en live, bien entendu, au Chobeuse. En tout cas, ça sera un grand concert inédit à ne pas manquer. Merci, sur les pavés. Je vais le faire en interpé, là. Ouais, pas de souci. J'ai 8 ans, enfant de la rue. J'ai pourtant une famille qui ne m'a jamais déçue. Je trouve sur le pavé de nouveaux pères, de nouvelles mères, des sœurs, des frères, mes points de repère. 15 heures par jour, chauffeur de taxi, de bien avant le jour jusqu'à bien après la nuit. Le labeur paye quel que soit, il me sourit alors, heureux de me voir. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je vous le disais, je reçois Vicky Nasdaq Kibambi. Bonjour et bon dimanche, Vicky. Oui, merci Kouba. Ça va? Bonjour à toi aussi, oui, très bien. En tout cas, c'est un plaisir, Tokutana. Ça fait Miko Lebele, Vicky, à Kinshasa, oui, Cheval, Paris, à Cheval, à Ozongiboué, c'est que Massou et Zosé Manalibongo Kalamingite. Quand on est au lobby, au moins, Maëlle, ils ont un bon mot, tout le monde, on a un bon. Donc, nous avons Maëlle, pas battu, nous sommes en train de travailler. Oui. Voilà. Donc, on a d'abord repris sa mot, et le président Kabosé, Mbi. Ah, Mbouakanda. 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 On a aussi Emerod Musungai Mbote, Dani Dende le Real. Emerod Musungai. Cambilo, Berry. Donc, Nazara qui a ça fait un mois et demi. Ouais. Et voilà, là, il y a un préparatif. Nazara qui a appelé le recrutement des musiciens. Ouais. En tout cas, merci Nandengue au Lexa qui m'est sage. Bien sûr. Alors, quand il y a eu concert au Abissoto Betana à Lyon, le 21, Nazonga qui Paris. Bon, Nazonga Bruxelles, Bruxelles, Paris. Pour notre bête à concert, bon monde n'est pas mon péléka qui bah collègue n'anga y a cultura toujours qui vaccin première dose et deuxième dose et moi c'est avec mon boulot. Ok, alors tant on a commis sur place peut-être que tu as un monstre sur le linaï et puis il y a on a zongi moi je suis tassimané tout le monde dans un groupe on a eu un concert yo posa ina kati si et l'inga vous l'accès ni n'y est beau zaraga na cultura pays vie mais vous a rali banda na kati ou bien zara nini exactement non ils allient option moko monstre d'amour accepta. Acceptable pour nos musiciens. Ouais. Donc, Busso, et tout ça, c'est un plaisir. Moni, source, César, et Sika, Oyo, il faut que nous ayons toujours. Voilà. D'autant que nous avons une source, et nous avons une source, et nous avons une source, et Sika, et Outi. Voilà. Donc, voilà. Nous avons voyagé à Paris pour un concert, Rwanda, pour tout ça, mais forte. Il y a concert, il y a culture à pays vie. Ouais. Maman, orchestre, et Boti Busso. Okay. Donc, faut toujours tout ça. En tout cas, si on a projet, na yomoko titre dans vos années. Titre album Ezali, album Ezali, album surprise. Surprise. Surprise album, voilà. Na kata surprise, ils en a combien de titres? Bon, bah titre Ezali belé, mais gozala moi pas si mingi kotan nga titre. Alelo mon comme système ya au sali nzembo moko, au sali clip nango et puis e bandi ko bima. Autant ko loba par exemple, on a 10 titres, 20 titres, non. Donc ça veut dire banzembo Ezali tout à l'heure là, on a Pesa Johnson qui est tombé dans Londres. Donc clip yanze morena sina sali yango na sala clip wana une partie na Atlanta une partie na sali na Paris. Donc au moins la semaine prochaine tant on a zonga awa na wela no clip wana mais pour l'instant nazana awa
na la promotion album donc dans singa na ba fanatique tout ya mokili ko balinga bonne musique na zana besoin soutien na bino neti ba Real Madrid Dani Dende le Real Maboko Bank non, on a pu mot à ma beau quoi. Vraiment, donc, en voilà tout cas, quoi. Et vous allez bien, Makasi. Nakatiwana, yo, on dirait aux anamondes le thé. Naibi, que tu as pu retrouver, bandego na yo, ancien compagnon na yo, ya culture pays vie, ba Josdien, ba Ozala, ba Gabana, ba Naibi, ba Ozala. Makasi, album nanga. Ouais. Non, bon, cela n'empêche pas, Bazala. Mais pour l'instant, projet Zali qui est dans le salon, on a musicien dans le parce que na tu connais pas musicien Zali, dans le salon, on a coupé ça fait bango pour Bayemba. Mais cela n'empêche pas Gabana Yemba, Eclipse Abouaka, les formidables Abouaka. C'est la famille reste sacrée. Ouais, ouais. Donc il n'y a aucune personne qui a partagé. Bisoba na auto lekana kata culture pays vie. Tout le monde a ko partagé Bisoba. Bah Doudou Tcheke, côté on a c'est bon. Bisou de Paul Kaono Kapanga, tout le monde va. Pichu Concorde. Okay. Donc ce sont Batosa, Bana Oyo, Tobota Messika Moko, et Zama Passimini Potokabo. Surtout Kaboni et Komissoni Nabiso. Et à cela. Voilà. En tout cas, on a tous les Langoka, ou tous les Kana système à Moko Moko, Ti, Ermobu, et puis tout le monde, on a des Bogi. Tous les Kana système à Moko Moko, parce que Banze Mosebele, tous les Kana Moko Moko Kaka. On a changé le système quand même. Voilà. Donc le système est Mosenga, il faut se mettre en jour toujours. Tant que Kamoui Bimisika, Soko Tikalissima. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, bisou également Tozo Landela Moussa Lozali Kosala. Mais Kadri Stekadi, on va quand même revenir du côté de la régie. On me signale que ce n'est pas encore prêt. Il est temps que Tozo a quand même élément au Ezo permettre bisoto tala misala ndengeni nezali Kosala manakata studio parce que studio est à cheval Poto Kinshasa. Oui, na sala partout. Na sala Poto Kinshasa même hier na sala qui doit dédicacer ya nzimbo ya Kulutu nanga ka imbe chintema que je salue dans le Bumbashi beaucoup bois nzimbo na Cécile donc semaine où to bana lem suna bana pe clip nanga na king ça ils à la moi bah diversité quoi c'est voilà en tout cas biso tozo landela pena musala po yangonde muteme miyo Kinshasa yangonde zo tambo sa yo yangonde so ozali ko se déplacer vraiment ezali beaucoup plus po na yango tout à l'heure auto beteli solaire famille et kabonate mais un œil toujours du côté des cultures pays vie, les choses, ça marche, hein? Oui, ça marche, tant que le monstre est là, ça marche très très bien. Ah, parce que vous avez un poto, vous avez un niveau, vous avez un monstre. Vous avez un journaliste, vous avez un matière, vous avez un monstre. Matière, vous avez une absence qui sera très importante. Si vous avez une absence, donc vous êtes présent. Vous comprenez? Vous allez voir, vous avez un canal qui est Kubatan Wazati. Nakin 24. Kin 24. Oh, ouais. Kubazati. Présents sont les gens qui ont été malouana bisouti. Ok. Voilà. Donc, c'est Batangi, place aux Zate, mais. Ozali. Ozali déjà. Voilà. Moi, c'est tant que Tangi était. Tant que Tangi est plutôt une absence, mais Ozali déjà. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est que vous avez fanatique. Nous sommes culture à pays vie. Azana Poto, Puna, Azot traduire livre, le petit bonbon de la sagesse. Azot Changona anglais, et puis Azotangona qui chinois. Vraiment, Ozali, mais ça fait RT. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle Tikala qui on a pu na conseiller les alaki mais dans peu de temps Bourmon a monstre roya awa tous en conseiller moya minene Bourmon a batunyon sur bazala. En tout cas, awa na Kinshasa, awa na kin. Biso pena tozo zela yango fièvreusement et bigé au sala. Biso bien makasi. En tout cas, sinon on va se dire au revoir peut-être un dernier message aux anangoya repesa na bande de nous. Mon message ezali vraiment je besoin ya soutien à les fanatiques tout au baye bingai té na au baye binga. Donc moi c'est Viki Nasdaq. Donc on a rouillé ma vocal ou yaka la pour. Ouais, ouais. Normalement. Nazamo tema, yashimi ozabolingo, Mustafa, yome manga motema, yome manga itu, dani, bonne nuit chérie, mon bébé, oh là là bien. Balok c'est le mois donc tout ce qu'elle a là-bas, ça n'y quoi. Balok c'est le mois. Voilà, donc c'est la même personne quoi, même idéologie. Vraiment. Donc voilà quoi, on a profité d'un peu sa mbote na Koulutunanga Ferdinand Massaka, Jos Diena, na Minuto Zana Matadi, les formidables Zana Matadi, Billy Fumuka. Donc voilà quoi, Feza, Bessali, donc merci, donc tout ça va bien. Tout bien, on a bien la phone. Vous avez besoin de contact, on a contacté Facebook, à Boakelinga, c'est tout. Merci. En tout cas, bisous te sepeli makasi, on est ensemble en tout cas au Rwanda Pena Musala ndengeni nozali ko sala yango. On profite de cette occasion pour saluer Emeraude Musungai qui nous suit en tout cas dans cette émission à qui je souhaite un très bon dimanche. Bon dimanche à Maître Bienvenu Faso
procédure. Lui également nous suit dans cette émission. Maître Christian Ankara, je ne t'ai pas oublié. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre. Maître Landry Tangani, et très bon dimanche à toi. Bon dimanche également à mon ami Aristote Ntoua. Lui en tout cas. Aristote Ntoua. Ouais, ouais, Aristote Ntoua. Si vous allez. Vraiment, en tout cas, et toutes nos condoléances, et Aristote, toi, en tout cas, d'avoir perdu ton oncle. En tout cas, on est de cœur, on est ensemble. Lui, on l'appelle les petits Gims. Sensei. BRG Sensei, les petits Gims, docteur Djula. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Ah, et bonjour. Et puis, bah, bon dimanche, nous allons voir la nuit, on va déjà à parler. Ouais. Surtout, bah, go, baby, que mon temps soigné à Bango. Na bolingoye, donc, ah, voilà. Tigolo, babo, on va déjà vous soigner. Na banda déjà kalaona. Vraiment. En tout cas, c'est une très bonne chose. Petit Gims, c'est vrai que le lot mukile bandebe tali solo nayo parce que aujourd'hui, on dirait au komi ko lata identité wana ya Petit Gims. Est-ce que vous confirmez ce que Moussala na kombo na ki Petit Gims, c'est qui est de père? Ben oui, parce que tant que déjà Gims m'a confirmé. Donc, il y a déjà confirmé, mais il y mieux qu'il n'y a pas. Donc voilà, je suis en train de bien. Oui. Et puis, ils ont appelé Gims, c'était un travail. Donc, on a aussi un peu de masse dans la bise, puis on a un peu de travail, puis on a un peu de bise. Donc voilà, Ok. Donc voilà. En tout cas, Bisso, vraiment, tu as pour nous soutenir, bah, jeunes artistes, Oyo, bah, un talent, surtout les talents, il y a un monde qui est opprimé. Mais aujourd'hui, vous travaillez dans Banani, parce qu'il y a de cela quelques temps, tu vas dans mon nom, pratiquement, vous avez dit, mais aujourd'hui, les choses ont changé, vous avez un label ou bien, il faut perdre ce cas, vous avez un bonheur. Ben, oui. Bien sûr, il y a un robot. Il y a un robot. On a Xavier. Ouais. On a Xavier, donc voilà, relation Tikali. Dans la minute, on a Zangamoko. Force Kai, boss, on a Bissou, on a Serge Tchekouma. Donc, on a patron. Dans la minute, on a patron Zangamoko. Ok. Boss Serge Tchekouma, Aigle. Et puis, tire. Ok. Et dans ça, l'artiste a roulé. Ouais, ouais. L'artiste a donc sécurisé tout ça. Donc, voilà. Ah, S.E. S.E. Serge Tchekoum, le futur aigle. Donc, Yves Madega. Azo Soum, Azo Talate. Ozo Kien, on a une ligne de vêtements ou bien il y a eu un mot de ligne de bon, Yves Remé, c'est un monument. Bon, vu que bon, il y a un salaire de bloc, on a un salaire de bloc, non, il faut un marquement de vêtements. Au Makeza et Yewana, donc voilà. Bon, on a Jeff Bokungu, le moins à Bokunjampe, la parking embouteillage. Vous avez préparé Nini Siko exactement? Oui, bien sûr. En fait, on a déjà entendu M. Lomoro et Bête fort dans la radio. Olivia Kachama. Donc, la reine mère ici, Kazali, n'a pas si un beau théâtre. Olivia, Obominga, Poussanakuna, Obominga, Penza Kachama. O barenga, tindiga kuna o barenga, salango. Olivia pesanga bolingo, olinganga kole kambo, yeah. Eza sekra bolingo. Non, to oko manan, kuna si manan. Nazayi pena na poso se langa démonstration, yabilo gwano ya maître Gims, tout ça pena compare les autres baguette, sensei, aza vraiment petit Gims. Ok, Gims. Ouais, ouais. Bon, maintenant, mélanger comment? Yo, kende kaka, l'accent pena démontrer bateau, bateau tala yo, ke oyo penza petit Gims. C'était un phénomène qui est monté nos rêves. Cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, sinon d'une magnifique. À ses péquets d'ici, qui devait vite en dessous. Tremblait comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais. À part ça, qu'est-ce que tu as fait dans tout ça complet? Ouais. T'as pas choisi le meilleur des hommes, mais c'est vrai que je peine à tes combles. Je me bats pour faire la meilleure des hommes, mais ma femme, elle veut juste me voir entrer où? Les mondes veulent voir chanter.
Si je pouvais, mais je ne chanterai que pour toi. Ce soir, j'ai pas y aller ou pas sans toi. T'as fait des moins non, t'as fait des moins non. Tes douleurs sont le mien. Réclamant, oui, je donne, baby. J'ai ton amour dans le veine. Veine. Mon vieux Isaac Maï. Attendez, madame, besoin qu'il y ait des culots. En tout cas, monsieur Salé, monsieur bien Makassi, les talents, les alliés, Koye Basiko, côté Kayangonde, Siko, côté Tozo Kingato Kendenayango, et Nabige Bato Batalaga, Nami Suya Bato, Babiko Deniche Talent. Merci beaucoup d'être ensemble avec nous, à l'honorable Ali Tchamala également. J'ai pensé vous souhaiter un très bon dimanche, Maître Chris et Cicéron Bakumba Bofaya. Très bon dimanche à vous et également Maître Guy Mafuta Kabongo Munayala. J'ai pensé à toi. Merci beaucoup de nous suivre. Le boss des Gamma Mokonzaba Pharmacie depuis Lukapa. Merci encore une fois de plus à toi et merci de nous suivre. Le petit Gims. Oyo, titre Nangweza ? Nostalgie. Nostalgie. Nangweza qui produit même dans la belle F Victime, il a fallu pour pas. Bandu Basala qui distribue la chanson. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Côté Wanapé Ndimwaga. T'es côté on a vraiment la zate. On a la nette la minute on a tout à qui Tanganyika. Donc et puis t'es donc gouverneur ya Tanganyika mes respects excellence Moni Samba. Ah ouais. Donc hier ma compagnie visa chef de l'État dans la cave Makuna na boya même kozonga. Mais vu que Basel j'étais kumba za laka on a bien t'es dans zonga. Mais vraiment ma mouvement qu'on a carré. En tout cas un dernier message moi bah salutation pour la bande de Gorota là. Oui artiste Nabino yo. BLG Sensei, donc bientôt là déjà topé Samakambu, chanson Olivia Kachamaisa déjà dans le marché, et bien dans la radio presque. Donc, Tomeka vraiment qu'on consomme en haut. Et puis, bah, bon dimanche, Nara. Nara Bandara, on a topé ça na Samuel Isha. Samuel Isha, puis champion et belard de Maboko Mabe, Keke Bosio. Les boss, Babi Kanza, les très spécial, DJ Diskel, Fuego. Donc, mon vieux Isaac Maïeu. Merci beaucoup. Donc, voilà. Ouais, Fuego Film, très bon dimanche à toi. Merci également à Stone Mukendi avec Moubas Fondation. Lui également nous suit dans cette émission. Et je ne t'ai pas oublié, Yawili Moucheni Kodamboka. Merci beaucoup en tout cas d'être ensemble avec nous. En tout cas, Tobimi n'a besoin déjà. Pourquoi Bimano n'a pas besoin de nous surtout. N'a pas besoin de nous à Maître Gims. Et puis, on se retrouve tout juste après dans ces studios avec nous. Il faut que l'on ait des voix. Il faut que l'on ait bien des voix. Pour qui tu n'as pas besoin de nous surtout. Il y a seul. Donc, peut-être des voix. Elle a failli faire pleurer les genoux du King. Trick de fou, elle est bonne même dans un joking. Je vois la noter, je m'y connais, je suis un geek. Elle aime bien ce que je fais, mes chèques, elle préfère quand je kick. J'ai un côté mauvais garçon cultivé, limitant l'eau. Donne-moi ta main, tu connaîtras, petit taverne, dragotolo. Je suis l'homme que tu attendais, jette la main, où j'ai dit ça, non. Tiens ma carte bleue, le code 69. Je me mettrai juste derrière toi pour éviter que ça monte en boulot. Je sais bien que ça t'est sous l'eau, je laissais même un papa poulot. Tu n'as jamais fait des cadeaux, pour te suivre, il faut des cadeaux. Parler de toi, c'est un tabou comme Kaboulot, ils en boulot. Et j'en ai rien à foutre des autres. On fait la roue demain de l'aube. Petit Gims, merci beaucoup. Merci. Nangai, balo belangai bona yo. Ezapasi Jésus, bona tika yo. Ozoka mobola, ozomolie, ovandisi ana kitabakolo.